Vous pouvez pas savoir la mort que ça donne. Bah oui. Maître, on vous la confie. Allez Carlo, vive Carlo. Oui, Carlo. Il faut tenir qu'on est là, hein. On lâche rien. Donc si vous voulez qu'on aille à ça, là, en arrivant. Non. Oui, plus. Bien. Dernière. C'est le tien de Nantes, on vient de Nantes. Voilà. Ouais. Attends. Ouais. Oh, ouais. Oui, super. Ah ouais, merci, hein, non, c'est... Ah ben non, mais on adhère à notre mouvement, hein, déjà depuis le début, hein. Donc, ah ben si, ben, on profite pour visiter l'Est. Carlo. Ah oui, je pense, ah ouais, quand même. Vous avez fait une amende. Ben à l'heure. Non, bien, voilà. Non, ça va. Merci Martine.
D'accord. Ok. Vous êtes d'accord et on va prendre la parole. Maître Brusin est là. D'accord. Mais au moins tu as du monde autour de toi. Bien et toi? Écoute, ça va, ça va. Ah, ah, j'ai encore une fois survécu. Bah, bonjour. Bonjour. Tiens, Martine, on était ensemble il y a quelques temps. Exactement. Et puis, on lâche rien. On lâche rien. Comme... Voilà, pour c'est autant. C'est extraordinaire voilà. Qu'il y ait autant de monde. C'est mais absolument fabuleux. Mais c'est aussi pour toi et pour tout le monde. Et pour tout ah ouais. Fait. Et puis, merci pour tout ce que tu fais. Puis, continue. Merci. Soignants et de tous ceux qui sont encore suspendus encore aujourd'hui. À cause de cette dictature. On va en parler. Voilà. On va en parler. Merci, bonne journée. De servir de tribune. Oui. Mais je suis toujours humble. C'est pas parce qu'on est quasiment 30 ans. Ça a été quand même assez simple de leur expliquer que certes, j'avais encore, parce que c'était une de mes promesses de campagne en plus, j'avais encore une toute petite activité dans une association auprès de personnes poly- et pluri-handicapées, personnes qui, parce que je n'étais pas là pour faire de la médecine générale, mais je n'étais là que pour prendre en charge les difficultés comportementales et psychiques, toutes ces personnes, tous ces résidents ont tous été vaccinés. Je le déplore profondément. Il y aurait fallu laisser le choix. Mais quand on est face à des personnes poly- ou pluri-handicapées, ces personnes n'ont pas, n'accèdent pas à la capacité de choix. Et ce sont la plupart du temps les tuteurs, les curateurs ou les familles qui décident à la place d'eux. Mais ce qui s'est passé dans ma vie privée de médecin n'avait rien à faire dans les débats ce matin. Parce que ce matin, tout ce qui m'a été reproché à la députée que j'ai été de 2017 à 2022. Et très clairement, quand on est élu, qu'on soit un élu local ou qu'on soit un élu de la nation, on est élu 24 heures sur 24. Il n'y a pas de dissonance cognitive, il n'y a pas de séparation possible. Et un élu de la nation, même si j'étais élu en Alsace, on est élu de la nation de Marseille à Lille, en passant par Rennes, et j'en passe. Donc ça, ça a été la discussion ce matin. Carlo a été brillant. Non mais comme d'hab, c'est presque la scène. J'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort. Et j'aimerais que vous applaudissiez vous-même. C'est important parce que vous étiez tous très nombreux. Et si j'étais sereine, c'était parce qu'il y avait Carlo, mais aussi parce que j'ai senti tellement d'énergie positive que vous m'avez transmise au moment où je suis arrivée, au moment où je suis rentrée dans cette salle. Vraiment, vraiment, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir vraiment très fort. Bravo, bravo, bravo à vous les citoyens. Bravo. De la force collective pour continuer à poser toutes les questions. Nous-mêmes, à aucun moment, nous avons été en capacité d'affirmer des choses. Aujourd'hui, on peut exposer des chiffres concrets, malheureux, des effets secondaires suite à cette injection. On le sait aujourd'hui, l'augmentation des pathologies cardiovasculaires, plus 800% des myocardites, l'explosion des cancers, etc.
on le sait, on le voit, c'est factuel et c'est publié sur les sites officiels français. Donc ça, on ne peut pas le nier. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus sur toute cette crise. Même si chaque jour apporte sa petite part de vérité. Mais d'avoir, j'espère, réussi à leur expliquer que mon rôle de parlementaire était coûte que coûte de défendre mes citoyens, c'était un devoir que de parler au nom de toutes celles et ceux qui venaient me voir dans ma permanence parlementaire pour dire « mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est enfermé ? Pourquoi on n'a plus le droit de faire ça ? Pourquoi on est obligé de porter un masque ?» Donc, j'espère que tous les messages ont été entendus. Merci encore pour votre présence. Merci encore pour votre présence, pardon. Merci encore pour votre présence. Ça me touche vraiment profondément. J'aimerais... Alors c'est génial parce que là, il n'y a personne qui me coupe le micro, tout ça. J'aimerais, parce que je sais que vous êtes nombreux, dire un mot pour toutes ces personnes, pompiers, gendarmes, soignants, et j'en passe, parce qu'on en oublie. Personnel administratif, bien sûr, dans des endroits, que ce soit l'hôpital ou autre, personnel navigant, parce qu'il y en a aussi qui résistent. J'aimerais prendre quelques instants pour dire à quel point, en tant que parlementaire, que je ne suis plus, j'ai été mais profondément choqué que des parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés, puissent à ce point balayer le droit du travail. Piétiner. C'est du jamais vu. Et pire encore, tout cela a quand même été validé par le Conseil constitutionnel. Donc, on est aujourd'hui, je ne sais plus combien de jours, mais plus d'un an de cette situation affreuse de personnes qui n'ont droit à rien. Et quand on en parle, parce qu'il faut continuer d'en parler, parce que les médias ont parfois relayé un peu vite, mais c'est pas suffisant. Combien de fois j'ai l'impression dans le quotidien, là en ce moment, de continuer à l'apprendre à certaines personnes qui me disent « mais c'est pas possible, ça n'existe pas ». Si ça existe, vous le savez, et je vous encourage à continuer sans cesse à l'expliquer. On pourrait parler de toutes les actions solidaires qu'il faut aussi, et je sais que vous en êtes, et sur les territoires, c'est tellement important. Mais vous savez, je n'ai pas été réélue, mais c'est pas grave. Le peuple de ma circonscription, les citoyens, en ont décidé ainsi. Et quand j'ai eu des tas de messages me disant « mais c'est terrible ce qui se passe, tu n'es plus député, ça doit être terrible », j'ai dit non. Non, c'est pas ça qui est terrible. C'est que comme beaucoup d'autres soignants, je ne peux pas exercer dans mon pays, je ne peux pas exercer mon métier. Et ça, c'est même... alors là, pour un coup, il y a une vraie dissonance cognitive. Surtout qu'actuellement, il y a tellement de personnes qui auraient besoin, en plus, d'être accompagnées sur le plan psychique. Et là, je suis là et je ne peux pas le faire. Je n'en ai pas le droit. C'est hallucinant. C'est révoltant. Donc, déjà, bravo à vous tous qui êtes dans ce cas et qui ne pliez pas. Vous êtes dignes, vous êtes incroyablement
digne. Merci à vous, parce que vous êtes les témoins de l'histoire. Et il est vrai que cette histoire, nous ne devons jamais, jamais l'accepter comme telle. Continuons tous ensemble, de façon solidaire. C'est très important pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais aussi pour tout le respect que l'on doit à tous nos anciens qui se sont tellement battus pour nous, pour nos libertés. Donc, battons-nous. Alors merci, merci à vous d'être là, merci Carlo, et puis on va attendre, on nous a informé que ça serait le 25 novembre le rendu. Merci, vous êtes déplacés. Merci à vous. Merci Martine, encore deux minutes s'il te plaît. Si je peux me permettre. Voilà, j'ai été nommé intermédiaire pour te remettre cette carte de personnes du 78 qui ont tous signé et mis des petits mots. Voilà, c'est. Je te la laisse, tu pourras la lire. Je la lirai. Et encore merci Gauthier. Merci Gauthier. Je voulais encore dire un petit mot parce qu'il y a eu un travail absolument incroyable. C'est mon petit doigt qui m'a dit plein de trucs. Pour organiser ce moment, pour organiser ce rassemblement, il y a eu une énergie absolument incroyable déployée. Merci à tous les organisateurs et organisatrices. Vraiment un grand merci. Merci aussi. Alors, c'est vrai que je suis sûre que vous avez dû être un peu frustrés parce que je suis sûre que vous auriez eu envie de chanter, envie de parler très fort. On ne pouvait pas le faire. C'est vrai qu'on entendait tout ce qui se passait dehors depuis la salle. Et bon, il fallait respecter les débats, l'audience, le magistrat et les personnes qui étaient là. Et merci à vous encore. J'espère que... Parce qu'il y avait, je sais qu'il y avait beaucoup de prises de parole. J'espère que tout le monde a pu s'exprimer. Super.